L'assurance maladie, c'est un système solidaire, universel. On a la possibilité de cotiser à la hauteur de nos moyens et d'être pris en charge dans les mêmes conditions, quel que soit son niveau de revenu. C'est évidemment des valeurs qui, pour nos salariés, sont très importantes et un levier puissant d'engagement. 88% de nos salariés se disent fiers d'appartenir à la sécurité sociale. Ils étaient 79% en 2018. 92% se sentent utiles dans leur travail et dans leur mission. L'assurance maladie, c'est un engagement en faveur des personnes en situation de handicap, tant pour les aider à accéder à leurs soins qu'à leurs droits. Ce sont aussi des actions tournées vers un autre public et celui des jeunes qui ont eu à subir évidemment les effets de la crise sanitaire, tant en matière d'insertion professionnelle que par exemple de santé mentale. L'action de l'assurance maladie en faveur d'une société plus juste est tournée aussi vers ses salariés, plus de 91 000 collaborateurs et collaboratrices en 2021 se sont vus appliquer une politique RH, d'abord les protégeant du risque de santé dans le cadre de cette crise sanitaire. C'est aussi des actions que nous avons conduites en matière d'accès au travail et d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. C'est aussi des actions tournées vers une meilleure conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, avec des négociations engagées désormais dans presque tous les organismes pour que désormais 70% de nos salariés accèdent au télétravail quand c'était seulement 10% avant la crise. Les salariés de l'assurance maladie sont fiers, sont engagés dans le système de protection sociale et ils font de la lutte contre la fraude une de leurs missions pour faire en sorte que notre système de sécurité sociale continue d'être appliqué de manière juste sur l'ensemble du territoire.